J'irai pas. Ne faites pas comme cette salope. Allez voir Détective. Le nouveau film de Godard. Avec Claude Brasseur, Nathalie Baye et Johnny Hallyday. Salope. Il a beaucoup d'instinct. Et il va tout de suite savoir comment on interprète, à quel moment. Ça va très vite, quoi. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Pour que toi, tu puisses, en tout cas, recevoir le maximum de ce que lui est en train de faire. Johnny, un anniversaire, bon. Hein? Qu'est-ce qu'on peut te faire cadeau? J'allais dire... Hein? Qu'il te fasse plaisir et surtout qu'il veuille dire quelque chose. J'ai pris le holster que j'ai là, tu sais, pour la ceinture. Il est pratique, c'est celui du personnage des Rivières Pourpres. Et parce que comme ça, tu vois, le jour où on fait un film ensemble, peut-être qu'il y en a un qui aura besoin d'avoir un holster, hein, ok? Donc voilà, dès que je finis les Rivières Pourpres, c'est, you know, voilà, un cadeau, j'espère que... Comme ça, on pourra faire ce film. Bon anniversaire. Bang, bang. Ici, j'étais dans les coulisses et je vois arriver vers moi Johnny Hallyday, que j'avais jamais rencontré de ma vie, et qui me tend la main et il se présente. Bonsoir Johnny Hallyday. Et c'est vrai que je risquais pas de le prendre pour le général de Gaulle, non. Et puis il pose la main sur mon épaule et puis il me dit, dans l'œil, un jour j'aimerais bien être filmé par toi. J'ai adoré cette formule. Mais si je raconte ça, c'est parce que l'impulsion, la fameuse première pichenette qui fait qu'un jour ou l'autre, un film voit le jour, des fois, c'est une idée qu'on a, des fois, c'est un scénario qu'on trouve, mais des fois, c'est un acteur qui vient vous voir dans les coulisses et qui vous pose la main sur l'épaule et qui vous dit ça. Johnny, pardon, j'ai raconté une fois de plus cette histoire que tu connais par cœur. Je te jure solennellement que je ne la raconterai plus jamais. Voilà, on a fait le tour. Mais c'était important quand même. C'est surtout important de te dire, ce que tu sais déjà, c'est que je t'aime énormément. Mais il ne faudrait pas imaginer non plus que si n'importe quel acteur vient me trouver, me mettre la main sur l'épaule en disant « j'aimerais être filmé par toi, que je vais faire le film ». La semaine dernière, j'étais au lit avec Julia Roberts. Et à la fin, elle met la main sur mon épaule, elle me dit, dans un anglais, je traduis, un jour, j'aimerais bien être filmé par vous. Mais je dis, plus tard, on verra. C'est pas parce qu'elle couche avec un réalisateur que... Tu sais pourquoi les femmes se regardent pas dans la rue? Parce qu'elles me voient pas. Parce qu'elles sont éblouies. Qu'elles craquent. Tu t'es pas rendu compte que t'es magnifique? Mais regarde! Il y a à voir là-dedans, non? Tout y est. Plus le temps passe et plus on est précieux. C'est ça que t'as pas compris. Festival de Venise, le film a été très applaudi. C'est très immodeste de dire ça, mais... enfin, les gens étaient debout, et bon. Et Johnny se penche vers moi, il dit c'est le plus beau moment de ma vie. Et je me retourne vers lui, et puis il avait vraiment les larmes aux yeux. Il pleurait pas comme une Madeleine, mais il avait les larmes aux yeux. Et après, quand on a quitté la salle, j'ai dit, mais ça m'a touché ce que tu m'as dit, c'est le plus beau moment de ta vie. Mais quand même, t'as été applaudi dans ta vie. Et par du monde, hein. Et il a eu cette réponse géniale. Il m'a dit, oui, mais ce soir, on m'applaudissait comme acteur. À mon avis, il va continuer à nous étonner, c'est-à-dire il va continuer à faire des films, il va continuer à chanter, à faire des trucs incroyables, à aller de record en record, à mon avis. Il dira peut-être dans quelques années qu'il va arrêter, puis il va revenir. C'est évident. Le mythe est en marche, il est inarrêtable, ce mythe. Il ira jusqu'au bout.
prendre Johnny dans mon bistrot préféré. Sur une nappe de restaurant, une nappe en papier, je t'ai écrit vraiment rapidos, un petit compliment, une petite chanson. Sur une musique à toi, ça s'appelle Quelque chose de Johnny. On a tous en nous quelque chose de Johnny, mais on n'a pas son talent, son génie. Il est un aigle, nous sommes des perdrix. Il est notre père, nous sommes ses petits. Quelque chose de Johnny. On a tous en nous quelque chose de Johnny. La vie s'écoule et le monde vieillit. Pourtant chaque jour, lui, il rajeunit. Alors bon anniversaire, mon ami. Bon anniversaire, mon Johnny. Bon anniversaire, mon Johnny. Et voilà. Bon anniversaire, mon gars. Tadadam. On me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence. Qu'on me fasse les discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Oui, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. On me donne la nuit pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit. Pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. En battre le nez. Bien avant la vie, mais j'ai oublié de lui. Toutes ces choses, et qui font l'envie, et le plaisir aussi. Comme je donne l'envie, l'envie d'avoir envie, et quand elle ne veut pas vivre. Ans de musique et d'amour. Oui, toi, Johnny, l'idole du rock'n'roll pour toujours. N'oublie jamais que tous on t'aime. Et moi, je t'ai dit aujourd'hui Happy birthday à l'amour. La vie. Et comme on dit en français, joyeux anniversaire. Elle arrive, elle arrive. Elle
Elle est italienne, elle est actrice, et les hommes n'ont Dieu que pour elle.